Merci beaucoup. À la batterie et au cœur, s'il vous plaît, Romain Di Loreto. Je présente pas tout de suite tout le monde parce que c'est... Ouais, il y a trop de monde ce soir. Non, c'est surtout que je garde quelqu'un pour la fin parce que je sais que c'est quand on a un petit coup de mou, ça enlève un peu tout le monde. Bon, on est que trois sur scène, vous vous doutez. Au son, monsieur Jérémy Borowski qui est juste derrière, s'il vous plaît. Pascal, on fait pas tout de suite ta fête, hein. Attends un peu. All my life, someone to come, and now I can feel that all we need is
beaucoup. Ça va les gens assis? Ouais. Vous reposez bien. Vous avez raison. Il y a encore quelqu'un que j'ai pas présenté? Non, on va attendre encore un peu. Il y a quelqu'un que j'ai pas présenté qui est pas avec nous ce soir, qui exceptionnellement, parce qu'il est en tournée très très loin de l'autre côté de la planète, à qui on pense, et je pense que si on fait un peu de bruit, un peu plus que ça, peut-être qu'il nous entendra. C'est Stéphane Escombes qui est au clavier normalement avec nous. Du bruit pour lui, s'il vous plaît. À la basse, un maximum de bruit, beaucoup plus que ça, s'il vous plaît, pour Claire, Chouk et Jack. L'anniversaire se passe bien au grattoir? Oui. Non. On est assis, on n'a pas de place pour se lever. On se rapproche, on était en Meuse et on arrive en Meurthe-et-Moselle petit à petit. Là. L'esprit montagnard, il n'est pas encore tout à fait là. Hein. Mais bon, en même temps, c'est le printemps. Le mercure est dans le positif. Ben, j'ai vraiment, ça veut dire que vous commencez à hiberner à l'envers.
J'aimerais, parce que depuis tout à l'heure, je dis c'est l'anniversaire du grattoir et tout ça, mais j'aimerais vraiment qu'on témoigne notre affection avec ce que vous voulez. Vous pouvez lui faire une bise, crier très fort. À Pascal qui est juste là derrière et qui fait les lumières et qui se démène depuis une paire d'années, depuis 13 ans exactement. Pour faire en sorte qu'il y ait un lieu de culture et de musique vivante. Et pas seulement de musique d'ailleurs, il y a plein d'autres choses. Ici même, et je peux vous dire qu'il se bat et qu'il continue à faire ça dans une excellente humeur et qu'il accueille des artistes. Excellent. Des artistes excellents. Non, qui réserve un accueil assez incroyable. Et je pense vraiment que il y a peu de gens qui se battent encore pour qu'il y ait du spectacle vivant. Non, ça va pas, non, c'est important. Et je pense vraiment que vous avez fait un tout petit merci à Pascal et qu'il mérite beaucoup plus que ça pour 13 ans.